Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo découverte de Magic. Donc ici, ce sera une petite série de deux vidéos de deux lots différents. Donc comme d'habitude, le principe c'est simple. On a un petit lot, des petits lots qu'on achète pas trop cher, qu'on reçoit. Et on les présente en vidéo les amis. Et on découvre ça ensemble. Bien souvent, bah, y a beaucoup de doubles, il y a des fois des autres langues que du français. Il y a pas beaucoup de rares, à mon avis c'est plus du... Enfin c'est plus du commun, enfin du Onco et du commu. Voilà. Donc ici, un autre petit lot. Il y en aura un deuxième petit deck qui est venu en même temps, de la même personne. Voilà. N'hésitez pas si vous en avez... Vous avez le mail de contact si vous avez des lots qui ne vous intéressent plus. Sinon, vous avez notre Tipeee pour nous aider. Le partage de la vidéo, c'est important. Le pouce bleu et compagnie. Donc, on va commencer. Donc, hop, voilà. On va prendre... Hop, attendez, je prends une double ici, voilà. Hop, alors, on va commencer par celle-ci. Très belle carte, d'ailleurs. Berger de l'Éther. C'est une carte commune, ça. Elle est... Enfin, ouais, commune. Elle est très, très belle. J'aime beaucoup cette carte. Donc, en français... ouais, celle-là, elle est jolie aussi, le Bandar Fineur. Très, très jolie carte également. C'est le sens naturel. Abomination sauvage. Je me demande si on n'avait pas cette carte, mais en anglais. On l'avait déjà, mais en français, je ne sais plus. Surineuse de la flotte des grands fonds. Très belle carte également. Oh, le cambrioleur de sang, il est magnifique. J'aime beaucoup cette carte. Sorcier de crochet, très belle carte également. C'est une belle édition, c'est des belles éditions. Picurien de sang. Cycle de croissance. Invocation sauvage. Putain, elles sont vraiment belles hein, ces éditions. Lien lupeux en double. Oh, la licorne prisée, elle est très jolie. On avait déjà eu une licorne, elle était vraiment belle. Celle-là aussi, elle est belle. L'araignée mammouth. La sévoresse. On a en deux exemplaires. Le druide sans feuille, on l'a déjà en plusieurs exemplaires. Fracasseur des alliés, je pense pas qu'on l'ait déjà. Enfin, quoi que la carte me parle, je ne sais plus. Le vol de bouffe. C'est sympa cette carte. Point mort. C'est bizarre, on dirait pas une magic. Je sais pas, l'illustration, on dirait de la 3D. C'est bizarre, mal et joli. Ah, c'est super. Pour ceux qui passent à table, bon appétit. L'arrachage de dents. Pillage de l'âme, très belle carte. Crémation. Ouais, très belle carte aussi. Waouh, celle-là, elle est jolie, les couleurs sont super belles. Oh, cette carte-là, détresse. Elle est ouf cette carte, j'aime bien. J'aime beaucoup. Fin violente, un peu plus simpliste. Coercition. Procès cérébral. Homicide. Oh, elle est belle. Crabouillon, roule-fer, très belle carte. On double. Construction, pugiliste. Pugiliste, comme vous voulez, pugiliste, moi je dis. Très belle carte aussi en double. On a l'automate alerte. Ouais, elle est sympa. Oh, celle-là, elle est belle. Garnison mobile, j'aime beaucoup aussi. La carte, les couleurs sont magnifiques. L'outil de malice, également. Très, très belle, donc un artefact. Voilà. Alors, on a déjà fait à peu près la moitié du deck, hein, ça va être rapide, c'est des petits decks, un peu plus petits que les derniers. Tourelle de consulat, elle est très belle cette carte, et on l'a deux fois pour cela. L'automate soudeur, également une belle carte. C'est l'essence naturelle. Un chasseur chassé. C'est une espèce d'édition méca, ça j'ai l'impression, je connais pas du tout. Infusion de Otsim. Oh, elle est belle celle-là. Croissance déchaînée. Très belle carte. Oh, une bleue. Ah, la couleur est très très belle. Technicien de dispersion. Dragon de l'arrière-pays. Ah, donc ici en deux exemplaires. Ici également deux exemplaires. La murène des épaves. Également en deux exemplaires. La voltigeuse de l'éther. Ici on n'a que des doubles. Inventeur du bastion. Ouais, ici on a que des doubles. Mise en état d'arrestation. Ouais, j'aime beaucoup cette carte, on dirait un nain, elle est très belle. Recouvrir des glaces aussi, elle est très jolie. Ouais, c'est que des doubles. Négation, pardon. On l'avait pas encore, je crois, elle est belle aussi cette carte. Blâme métallique. Départ poussiéreux. Ouais, elle est sympathique. Hop. Alors, ici, on repart sur des cartes un peu plus... Enfin, dans le côté noir. La rôdeuse du quatrième pont. Voilà. Bon, je la trouve
pas mal. Oh, la couleur qui ressort ainsi, moi j'aime beaucoup. Moi c'est ça qui me fait kiffer, hein, ce genre de truc. Oh, celle-là elle est magnifique. Poisonneuse de l'éther. Mais je me demande si on n'avait pas déjà eu cette carte, elle me parle. Mais en tout cas elle est magnifique. Un transporteur des marais, bon, la carte assez simple. Moi je suis pas fan non plus. Celle-là elle est belle, hein, c'est pas ça, mais je suis pas fan. La contrainte, on l'avait déjà eu celle-là dans un autre lot ou c'est dans ce lot-ci? Je pense que c'est dans un autre lot. Mal des bourbiers. Rive agitée. Elle est belle aussi celle-là. Corruption. Force impie. Possession sinistre, elle est belle aussi cette carte. Celle-là est belle, c'est une ancienne, hein, je pense, mais elle est magnifique. Celle-là aussi. Celle-là. Enfin, en fait, elles sont toutes belles. J'aime beaucoup celle-là aussi. Celle-là un petit peu moins, elle est belle, hein, mais je l'aime un peu moins. Soit ça un petit peu moins également. Exhumation. La carte de la créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ouais. Voilà. Bah écoutez les amis. C'est terminé pour ce deck-là. Il y aura donc coup du même lot un deuxième deck. On le fera, bah ça sera la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, dans la description, vous avez le lien de contact si vous avez des lots qui ne vous intéressent plus. Vous pouvez également nous rejoindre sur Tipeee. Vous pouvez partager la vidéo, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.